Qui ouvre le bal des demi-finales avec un pilote déjà qui accélère pas trop mal. Là, je crois que c'est le 28 Hugo Renard de Pelle Mirabeau. On a relancé les courses BMX. Monsieur Renard, les Pelle, premier, Tom Portadier Tarascon, deuxième. Il y a également Corentin Zunino, la troisième position et la quatrième place pour le numéro 09 au 27 de Sarian. Voilà les quatre premiers pour l'instant. Benjamin Novice qualifié pour la finale, mais il reste encore en deux lignes droites et demie. Donc c'est vraiment pas joué. Deuxième, troisième virage maintenant, Tom Portanier pour Tarascon est en passe peut-être d'aller chercher la première place pour être le premier à choisir tout à l'heure sur la grille. Ce sera peut-être le cas. Le voici désormais premier avec son maillot Zubab. Et voilà qualifié. Et bien, c'est bien, Pelle Mirabeau, Hugo Renard 1, Tom Portanier 2. Et on avait également Corentin Zunino, les finales catégorie des Benjamin Novice. Les voilà ces pilotes, ces riders PMX. Demi-finale avec des pilotes qui font le all shot, première ligne droite. Regardez ça, ça accélère, ça attaque, à tombe. Allez, avec le numéro 36, première place, Thomas Ferrando. Vitrolles, deuxième place au numéro 52. C'est évidemment Loïc Richard Sarian. Oh, il y a une chute là-bas pour un pilote des hommes. Ami Secouris, c'est bon, ça a l'air d'aller, vous avez raison, 91. Thomas Pinelli. En course pour l'instant, là les Sarlianais, c'est une guerre entre pilotes de Sarlian, guerre sportive. Et évidemment, Vitrolles 1, Sarlian 2, 3, 4, 5 et par terre, malheureusement pour un d'entre eux. On va retrouver dans l'ordre Loïc Richard, le 86 qualifié, Rolvalo Seva. Et le 32 qualifié pour la finale des Benjamin Novice, Rémi Alliot. Ils seront donc 4 pilotes de Sarlian en finale Benjamin Novice.